Le roi ne laissera pas passer une telle insulte. Les gardes sont là et la personne qui est avec vous, elle est là. Alors. Du coup, c'est des. C'est l'énite, hein. Oui. Les gardes. C'est l'énite. Oui. Du coup, la fille qui est avec vous. C'est l'énite, mais bon. La fille qui est avec vous, elle semble perdue dans ses pensées. Qu'est-ce que. Vous êtes attaché ou. Oui, vous êtes attaché sur les côtés de. De la charrette. Alors, moi, évidemment, je parle, hein, moi, je leur raconte. Et là, elle me dit, attends, tu sais à qui t'as affaire? Tu sais à qui t'as affaire? Et c'est à ce moment-là que j'avais oublié que je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais oublié le nom de ma meilleure amie. Et dans tout cas-là, faut pas le montrer, faut faire semblant que tu connais toujours son nom, et ensuite, plus tard, tu trouveras un moyen de le retrouver, c'est pas un souci. Bref, est-ce que quelqu'un a une quelconque idée de ce qu'on fait là? Alors pendant tout ce temps-là, vous entendez quelque chose gratter contre le bois de la charrette. Oui, mais je suis attaché. Mais je veux dire, même si je suis attaché, j'ai. Elle se griffe quand même. Je griffe la charrette parce que ça, je suis stressé. J'ai besoin de griffer quelque chose et puis je suis au bord des larmes parce que ça. Parce que bon. Je commence à faire beaucoup, quoi. Je veux dire, je suis toute seule, je retrouve plus Lanshama et Yukali-sama, et puis maintenant, j'ai l'impression d'être abandonné, quoi. Sachant que vos armes, par exemple, je pense à Julie, justement, elles ont été entreposées dans un petit sac sur le devant de la charrette. Oui, une épée rentrant dans un petit sac sans problème. Oui, mais l'épée, elle doit être à côté du sac, et le mousquet aussi. Oui, voilà. Ou alors, tu sais, c'est un sac de sport. À Gensokyo, oui, bah, quoi que. Bon, bah, il y a des trucs qui viennent du monde extérieur. Hein. Oui, c'est vrai. Un sac de sport qui a été oublié, qui a droppé. Ouais. En plus, c'est marqué, hein, mon épée, elle fait exactement. Enfin, la lame de mon épée fait exactement 1 mètre. J'ai cru que t'allais dire, c'est exactement la taille d'un sac de sport. 1 centimètre de plus. Hein. Donc, vous voulez continuer à parler un petit peu? Moi, de toute façon, tant que personne me dit ta gueule, je parle, hein. Moi, j'ai plutôt lu l'esprit des gardes à côté, quoi. Bah, moi, je pleure, donc. Et du coup, la personne qui est avec vous, du coup, elle relève la tête et elle vous fait signe de l'écouter très attentivement. Madame la fée, s'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à dire. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi tous. Moi, c'est Hirogenix. Et j'ai des amis qui sont en route pour venir nous délivrer. Donc, quand ça arrivera, n'ayez pas peur et suivez-nous si vous voulez pas finir en otage. Alors, elle a vraiment attendu 30 minutes pour se présenter. Oui. Ah, ouais, bah, elle parle enfin. Et du coup, juste après qu'elle ait dit ça, vous voyez deux personnes sortir d'un buisson juste devant vous. Et en venant vers vous, les gardes sélénites ne semblent pas remarquer un changement direct. Et justement, elles ne semblent pas les remarquer tout court. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi le meilleur garde du monde? Ah bah, on est dans Skyrim, hein. Ouais. Ah, c'est probablement plus bon. Bah, de toute façon, pour être complètement honnête, je pense que je les ai pas remarqués non plus. Enfin, Azuré les a pas remarqués non plus. Donc bon. Oui, enfin, elles sont visibles hein, quand même. Elles sont au milieu du chemin, donc. Mais sont visibles, si les gardes l'ont pas remarqué, y a pas de raison que nous les remarquions. Hein. Voilà, c'est ça. Eh bah, si, vous les remarquez. Et du coup, elles s'avancent tout doucement, sans le moindre souci du monde. Et elles montent dans la charrette derrière vous. Et littéralement, elle vous détache. Elle vous détache littéralement. Et justement, en réponse à ça, Hiruji, elle se lève après avoir été détachée, et pour les rejoindre, en vous faisant signe de la suivre, et elle vous dit justement, les gardes croient encore qu'on est à l'intérieur de la charrette, et ils ne nous voient pas. Et vous, je manipule la vérité, donc si je le veux, ils ne pourront jamais voir la vérité, c'est-à-dire qu'on est parti. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de les attaquer? Tu veux vraiment commencer à les attaquer? Non, et je demande à Hiruji, est-ce qu'il y a moyen de les attaquer sans qu'ils nous remarquent, quoi, du coup?
Je pense pas que ma capacité soit aussi puissante que ça. Oui, parce que là, c'était pas puissant, hein. Là, c'est pas puissant, déjà, de base, hein, comme capacité. Mais, possiblement, on peut essayer. Je préfère qu'on parte d'ici, avant qu'il remarque qu'on soit parti. C'est une bonne idée, parce que on pouvoir peut durer, mais pas indéfiniment. Oui, non, mais vous comprenez, la magie, tout ça, c'est... Bah après, pour être honnête, moi je commençais à me sentir confortable dans ce chariot là. Je sais pas où il voulait nous emmener, mais. Alors, moi, dès que je suis détaché, je m'enfuis. Très cher Azuré, je pense qu'il nous voulait que du mal là où il nous emmenait. Disons que l'endroit non, où il nous emmenait. Non, mais me remets pas dans le chariot, hein. Je... Et y a... Je suis d'accord pour partir sans causer trop de soucis, les sujets du roi sont plus importants qu'une simple histoire de revanche. Je vais hausser les épaules et puis je vais suivre Julie, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Du coup je vais vous demander de nous suivre parce que ici c'est pas très sûr du tout, étant donné que c'est un endroit très protégé par les gardes, donc oui, ça se voit. Vaut mieux partir le plus possible. Oui, hein, je récupère quand même mes armes, hein, je tiens à préciser. Oui. Pareil, je vais récupérer mon tournesol dans mon sac. Hein. Pas dans le sac. J'ai récupéré mon médaillon de Ran. pour que je puisse tous les jours me rappeler Ran Shama. Alors moi, toi, du coup, t'es... Enfin, genre, ça fait plusieurs jours que t'as pas vu. Mais c'est pour ça que j'étais en pleurs, parce que là ça commence à faire lourd sur ma conscience. Ça fait je sais pas, ça fait combien de temps là qu'il y a la guerre, mais ça fait Ça fait plus d'un mois, hein, c'est... ça fait plus d'un mois que j'ai pas de nouvelles ni de Ran Shama ni de Yukari-sama. Tu commences à paniquer, voilà. Ouais, déjà qu'un jour sans nouvelles, je commence à paniquer, parce que bon, je sais pas, on rentre à la maison tous les jours, normalement, là, ça fait un mois qu'on n'est pas rentré à la maison, puis moi, je sais pas rentrer toute seule à la maison, en plus. Si, à Mayohiga, mais c'est pas là, bon, voilà. Et surtout que tu as très bien vu la dernière fois que tu retournais à Mayohiga, que c'était occupé par les Sélénites. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pu rester très longtemps là-bas. Enfin, j'ai essayé de rester, on m'a viré, donc bon. Ah, ce serait peut-être là que t'as été capturé, je suppose, non? Aussi, peut-être. Enfin, bref, voilà, j'en dis gros sur la conscience. Et puis en plus, là, on est capturé par des Sélénites et. Bon, on a un dogme chez les Yakumo. Ne jamais faire confiance aux Sélénites. Vaut mieux pas. Dès que j'en ai l'occasion, évidemment, que je m'enfuis de là. Donc, du coup, Hiroji, elle vous demande de la suivre, comme elle l'a fait il n'y a pas 3 secondes. Alors en m'enfuyant, je vais leur crier « Ah ! Adieu, bande de ploucs ! Vous êtes les pires gardes du monde ! Je me moquerai de vous pour l'éternité !» et ensuite dire « Oh mon Dieu, je crois qu'il y en a qui m'a regardé ! Fuyez !» Alors moi, je vais juste renifler Hiroji pour vérifier si c'est pas une Sélénite. Non, c'est... Ah bah, tu vas me faire un jet de... Je sais, il manque qu'une seule lettre pour faire chien avec ton nom. Je sais, les chats aussi ont un bon odorat. Hein. Oui. Tu vas me faire un jet de savoir, s'il te plaît. Vous êtes moins intelligent que les chiens, par contre. Mais pour le coup, Azuré qui troll. Ça passe pas. Ok, ça passe pas. Donc tu n'arrives pas vraiment à sentir de quelle espèce appartient Hiroji. Mais tu sens qu'elle est pas hostile envers vous pour le moment. Alors je suis pas capable de sentir de quelle espèce elle est, par contre je peux sentir son hostilité. Parce que ça se voit quand même. Donc, tu sais, Alice, quand je rate un jet, t'as le droit de ne pas me donner d'informations. Oui. Non mais là c'est même pas une information, je veux dire, elle nous a aidé à nous échapper, bon c'est évident. Bah, ça me semblait logique. Moi ça me semblait logique. Et moi je peux avoir des informations supplémentaires ou pas?
souris. Bon, bah, vous allez en aparté et puis nous on attend ici. On va faire ça à chaque fois qu'il y aura un nouveau perso. Donc bon, est-ce que j'ai des informations supplémentaires? Parce que mon pouvoir, c'est juste que je peux avoir des informations de surface. C'est des informations qu'on peut tout le monde avoir s'il demande. Attends, je vérifie. En fait, c'est comme si, Satori questionnait la Hiruji, sauf qu'elle le fait pas, elle lit juste directement dans ses pensées. Oui, c'est bon. Voilà. Pas après, si elle cachait quelque chose, voilà, par contre, je devrais faire un jet. Et si il y a un truc qu'elle veut pas dire, effectivement, là, faut faire un jet pour le savoir. Oui. Oh. Et du coup, tu veux savoir quoi, Ludo, du coup? Bah, c'est pas je veux savoir, c'est déjà ce que... Elle a pas compris, oui, je crois. Elle a toujours pas compris le pouvoir, en fait. Bah, tu... Genre, est-ce que Satori peut savoir de quelle espèce est Hiruji? Oui. Et surtout, qu'est-ce qu'elle porte maintenant, sans qu'elle cache quelque chose Et bah, c'est quoi ses intentions, en gros? Bah, tu vois, du coup, Satori, que Hiruji semble être une Tengu, et qu'elle vient, du coup, du village Tengu, ça semble logique. Et tu vois également dans son esprit que ses volontés, c'est seulement de vous aider et aussi de virer les Sélénites d'ici pour retrouver la paix à Gensokyo et aussi aider ses amis à j'ai oublié le mot, à rester tranquille pendant un petit peu de temps. Enfin, pendant le maximum de temps qu'ils le peuvent. Juste à rester tranquille. Oui, voilà. Moi, ça veut nous aider pour l'instant, donc... Oui. Donc du coup, Hiruji, elle vous dit que c'est pas pour rien qu'elle vous ont sauvé et qu'elle est ici également. C'est parce qu'elle vous a observé pendant un petit temps, dans le but d'avoir de l'aide sur des choses. Quoi? J'étais observé? J'ai pas remarqué? Depuis quand? Oh, depuis assez longtemps, quelque part, comme quelques semaines. T'es entouré de gardes, donc... C'est pas vrai, j'ai jamais remarqué. On a nos moyens de regarder les gens sans qu'ils nous remarquent. On appelle se cacher. Mais elle peut pas vous parler directement de pourquoi elle fait ça, parce qu'elle connaît pas tous les détails elle-même, mais malgré qu'elle sache énormément de choses, elle préfère que la personne concernée vous en parle directement. Et justement, elle vous guide vers la maison de cette personne en question. Ça tombe bien, le convoi passait justement devant. Non, c'est... vous remarquez... Il se dirigeait même dans cette direction, c'est incroyable. Vous repartez un petit peu en arrière et vous tournez dans les bois sur la droite pour passer dans une direction que vous n'avez jamais, visiblement, jamais emprunté avant, parce que vous ne reconnaissez pas l'endroit. Ouais, alors visiblement, alors dans notre groupe on a une fée, donc elle a oublié, on a une folle qui a oublié, on a quelqu'un qui est des souterrains, donc qui connaît pas trop la géographie, et on a un chat qui a oublié. Alors je tiens à dire quand même que ça fait partie de mes caractéristiques, vu que je suis la fée de l'horizon et des cieux, j'ai quand même une très bonne connaissance de la géographie de Gensokyo. Et puis moi, si j'arrive pas à m'y retrouver, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que je connais pas la région. Hein. Oui, surtout. Et moi aussi. Et du coup, les deux personnes là, du coup, ici, elles vous suivent aussi en même temps. Et donc, vous vous appelez comment Moi, c'est Chen. Tu demandes ça à qui en premier? Bah, aux deux. Pourquoi je demanderais une en particulier? Je demande aux deux, elles sont toutes les deux là. Et bah, du coup, la noire, elle te dit qu'elle s'appelle Imari. Et qu'elle est là depuis assez longtemps pour aider justement Hiruji dans la quête qu'elle veut entreprendre. Et l'autre, elle dit qu'elle s'appelle Inari et qu'elle a le même but qu'Inari. Votre sœur. Attendez, c'est qui Inari? Imari. Inari. Imari, c'est moi. C'est celui avec le cristal. Est-ce que vous êtes sœur? Absolument pas. Faut bien ça. Je me disais avec les noms. Attention à prononcer le H. Inari. Oui, j'ai choisi des noms assez chiants, oui. Ouais. Non, et enfin, pour moi, c'était Julie qui disait ça, mais voilà. Effectivement, nos prénoms se ressemblent assez, mais on n'est pas de la même famille. On n'est même pas... on se connaît même pas de sang, ni de famille. Et en fait, on se connaît même pas.
elle se connaît depuis, depuis plusieurs années, parce qu'on vient, vient également de la Lune, mais... Ah, des sélénites. On ne vous veut aucun mal, on ne vous veut aucun mal. Mais seulement là pour vous aider, comme Iruji. Ouais, alors ma confiance en eux a subitement baissé, hein. Je m'en doute. Moi, je m'accroche, je me range derrière Satori. Du calme, Shen. Je suppose que les dégâts ont dû avoir quand même pas mal de répercussions négatives sur les forêts, la nature, etc. On a peut-être des forêts qui ont brûlé ou autre. Oh oui, beaucoup. Enfin, je demande pas ça à Iruji, je demande ça en RP. Enfin, ah. Oui, Azuré, elle vit là quand même. Ouais, c'est vrai que dans RP, on sait pas trop ce qui s'est passé pendant cette guerre, en fait. Alors en fait, pendant la guerre, il y a plusieurs endroits de Yensokyo qui ont été occupés par les Sélénites, dont Mayoega, une partie de la forêt de bambou, et le village humain aussi. Mais aussi des endroits un petit peu plus au hasard, on va dire. Comme par exemple... comment ça s'appelle déjà, le bas de la montagne Yokai. Justement, Azuré, du coup, ça te concerne parce que tu as remarqué depuis pas mal de temps que les Sélénites sont en bas de ta montagne, et du coup, c'est ici qu'ils t'ont capturé, justement, parce que tu étais parti faire un tour je sais pas où. Parce que tu es une fée, donc tu es une menace primordiale contre les Sélénites. Donc, ils t'ont croisé. Bah, c'est surtout que moi, si les combats ont pu par exemple brûler des forêts ou faire des trucs comme ça, bon, nous les fées, ça nous dérange énormément, puis donc ça a pu nous rendre hostile à l'égard des Sélénites. Bah justement, il y a une partie de la forêt de la magie qui a brûlé justement à cause de ça. Et c'est probablement pourquoi je les ai attaqués, je me suis fait capturer. Et du coup aussi, des endroits où il ne neigeait pas avant à Yensokyo se sont mis à neiger. Enfin, avoir de la neige dans ces endroits, de manière complètement hasard. D'ailleurs, partout, vu qu'il neige quasiment pas à Gensokyo. Oui. Au début, je pensais que c'était Cyrano, mais bon, je lui ai cassé la gueule et ça a rien résolu, donc bon, ça doit être quelqu'un d'autre. Ça lui fait de la lumière, ça doit être eux. Mais du coup, vu que nos camarades là sont des Sélénites, je vais leur poser la question. Pourquoi les habitants de la Lune attaquent donc les sujets du roi ainsi? Les sujets du roi? Vous voulez parler de quoi par là? Bah, nous. Les vous habitants êtes des de cette région. Ah, oui, je vois. Vous êtes... oui, très bien. Bien, c'est assez compliqué à expliquer, mais nous avons une personne qui est né il y a quelques années, qui a causé pas mal de soucis, et certaines de ses connaissances ont trahi les Sélénites et sont rendues à Gensokyo. Mais sachant que c'était des personnes assez importantes pour la guerre de Sélénites, ils ont voulu les reprendre, et les gens de Gensokyo n'ont pas été d'accord avec ça, et du coup, la guerre a été lancée. Donc elles ont attaqué un pays entier juste pour récupérer 2-3 personnes. Ça me semble parfaitement mesuré comme réponse. Alors, j'ai surtout une question. Demande, qui sont les gens de Gensokyo? Bien, Reimu Akurei. Je pense que... Parce qu'on n'a pas vraiment d'autorité représentative. Hein. Je ne sais pas vraiment qui a fait ça. Il me semble que c'est une certaine Toyo Satomimi no Miko a un fort pouvoir possiblement. Auprès des humains, non? Je ne connais pas cette personne, mais possiblement. Et est-ce que le village humain est occupé d'ailleurs? Oui. Oui. Ok. À mon avis, on a tous dû avoir des réactions un peu. Enfin, il y a dû avoir des réactions défensives un peu de tous les côtés. Je sais que nous, par exemple, on n'a pas été recrutés pour le combat, mais on a quand même attaqué les Sélénites quand par Mekat, ils ont fait brûler des forêts ou autre. Oui, voilà. Ouais. Mais tous ceux qui attaquent les sujets du roi seront voués à être mes victimes. Ah, mais je pose la question parce que c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas vraiment d'autorité unie à Gensokyo, il n'y a pas vraiment de moyens diplomatiques, donc c'était limite, je les vois mal juste demander, ou alors ils ont demandé juste à n'importe qui a dit non. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des vraies relations diplomatiques, quoi. Ni Ruji, ni Mari, ni Nari ne savent à qui ils ont demandé ça.
Bah, je pense que les Sélénites non plus, d'ailleurs. Oui, bah, les 4 Sélénites qui sont ici, là, bah, déjà, vous leur parlez pas. Hein. Non, mais déjà, on est plus à côté de là. Là, c'est pendant qu'on marche vers la maison de madame. Pas. Je vous imagine bien parler juste devant eux, la gueule ouverte. Non, mais c'est parfaitement logique hein, sur le chemin qu'on parle, et donc vous qui êtes Sélénites, en bref. Oui, oui, c'est logique, hein, je vais pas dire mon frère. Enfin, moi je dis rien, moi je suis caché derrière Satori. Ces Sélénites me semblent quand même être très belligérants. J'espère qu'il y aura des moyens de négocier avec eux. Oh, je pense, oui. Mais ça va être assez compliqué pour le moment. Il faut mieux se concentrer sur notre objectif principal, pardon. On a un objectif principal ? Oui, on va vous l'expliquer juste maintenant, d'ailleurs. Puisque, du coup, vous êtes arrivé juste devant la maison de la personne dont Eruji vous a parlé. Et du coup, Eruji, elle tape à la porte, et la porte ne s'ouvre pas tout de suite. Merci. Eruji retape à la porte une deuxième fois. Sonne. Non, mais... relève pas, s'il n'y a pas de map pour ça Non, pour le moment, non. Et du coup, elle se retourne et elle vous dit oh, j'espère qu'elle est ici. Et j'espère surtout qu'elle va sortir et que c'était pas à nous de rentrer. Et juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et Eruji elle fait ah, putain. Non, mais. Ma chère, surveillez votre langage. Oui, excusez-moi, c'est la surprise. Et du coup, avec cette porte qui s'ouvre, vous voyez non pas Aïta, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas derrière. Alors, pas qu'on connaît Aïta. Hein. Oui, non, mais c'est pour. Bon. Et justement, cette personne, elle vous dit bienvenue, je vous en prie, entrez. Est-ce qu'on pourra voir la personne? Est-ce que vous pourriez pas plutôt sortir plutôt que nous on entre hein? Pourquoi? On peut faire. Ah. On est mieux à l'extérieur, non? Il fait froid avec toute cette neige, je pense qu'on devrait plutôt rentrer. Oui, je suis d'accord avec, votre ami. Julie. Aux vêtements. Le joli. D'accord, l'extérieur c'est froid et humide, mais l'intérieur c'est l'intérieur. Et du coup, cette personne, elle vous dit asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Alice, c'est pour ça que je demandais si on pouvait voir la personne, parce qu'en l'occurrence, je vais pas avoir une réaction indifférente face à cette personne. Oui. C'est-à-dire forcément. Je vais voir cette personne et je vais faire. C'est toi qui a capturé l'Anshama, hein, c'est ça? Tiens, je lui saute dessus, je l'attaque. Enfin, moi, je vais voir la fenêtre et je vais me précipiter vers la fenêtre. Oh, non, je vais assister de chaîne. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord, ok.